Et coucou à tous, c'est Agence 14 et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Star Wars Jedi partie 6. Donc c'est parti, continuez. Et oui, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Alors oui, ça a été compliqué parce que cette semaine, j'ai fait une semaine très très longue et très très chargée. Donc j'ai pas pu faire de vidéo, je suis extrêmement désolée. Donc demain il y aura aussi un gameplay sur Mass Effect. Voilà voilà, donc... la semaine prochaine, je pense que je pourrais peut-être faire des vidéos. Ça va dépendre dans quel secteur je suis et quels horaires j'ai. Parce qu'en fait à chaque secteur je vais devoir changer d'horaire. Donc c'est un peu galère, vous voyez. Donc... On s'en est arrêté à là. Donc, en fait... alors, comment on fait déjà? Voilà. Alors, il faut que je me rappelle les boutons à chaque fois. Donc, en fait, il faut... On est là. Hein. Il faut revenir. Non, on n'est pas là, pardon. On est là. Et en fait, il faut revenir en arrière. Là, on est là. Comment on fait pour... Oula, attendez, est-ce que... Il faut qu'on revienne en arrière, et c'est tout un processus. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, il faut déjà qu'on sorte d'ici. Pas qu'on puisse monter comme ça. Bon, on peut pas monter là. Donc sauf que je me suis retrouvée dans cette situation sans vraiment comprendre pourquoi. Alors le problème pour sortir... passer par là. C'est-à-dire... Ben oui, mais revenir par là, c'est bien, mais c'est que je peux pas revenir par là. Ouais, c'est pas possible. Mais pourquoi il veut que j'aille ici? Ah oui, c'est qu'en fait ils veulent que j'aille ici. Donc en fait, alors j'essaye de comprendre, hein, d'accord? C'est pas évident. Oh, y a un truc là. Oh là. Ok, bon, on va y arriver. Hein.
Donc en fait, l'objectif principal, c'est là où on était en fait, finalement. Donc c'est là. Ici. Donc il y a quelque chose à démolir, il y a quelque chose à faire. De toute façon, ça c'est sûr. Mais oui, on peut la démolir la porte. J'ai réussi. Ah ben oui. Mais oui, c'était là. Ah, c'est bon, je m'en rappelle. Ok. Mon ami, admire un peu les détails de cette écorce. Ces stries si distinctives. Ça ne peut être qu'un arbre frochir de Kashyyyk. L'heure est venue de contacter un vieil ami. Si les Zephos étaient liés à Kashyyyk, il y a de fortes chances pour que le chef Tarful soit au courant de tout ceci. Ouais, ça on l'avait déjà fait dans l'ancienne vidéo, je sais pas si vous vous en rappelez. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. C'est comme ça, ok. Ok. Faut que je me remette les boutons parce que je me rappelais plus, tu vois. Allons-y, BDR. Ok, donc là il y a plusieurs portes auxquelles on a accès. Moi je dirais peut-être pas celle-ci. Celle-ci on sait pas, peut-être celle-ci. Ouh. Ouh, il y a celle-ci là, ici. Bon, dans tous les cas, on doit revenir là où il y a le vaisseau en fait. Hein. Voilà. Je sais pas où il est d'ailleurs, mais bon bref. Il y a un truc à aller rejoindre. Je peux pas passer par là. Ici, c'est impossible. Bon, le vent ne suffira pas à déplacer cette sphère. Ah oui, c'est qu'il faut qu'on déplace la sphère pour justement détruire ça. Mais qu'est-ce que je fais? Ne suffira pas à déplacer cette sphère. Ça veut dire qu'il faut qu'on la déplace nous-mêmes, non? Oh! Attendez, il y a un truc ici. Bon, on va se mettre là. Méditer. Non, méditer. J'ai du mal avec les boutons. Je sais pas ce que j'ai, mais...
idée. Alors, ça, j'ai 3 capsules de Steam, donc ça va. On va peut-être passer par là. Oula. D'autres sphères dans le coin, tu crois? Moi aussi. Cherchons encore. Ah! C'est difficile tout ça. Donc si on monte en haut, peut-être qu'on pourra avoir accès à ce côté. Donc ça va peut-être nous emmener ici. Bon. Ok, donc on va partir. Oh, c'est plus là que je dois aller. Tu as l'air content. Bah maintenant comment je fais? Wow. Mais c'est une cachette secrète ce truc. What? Mais le jeu il a bugué, c'est pas possible. J'étais jamais arrivé ici. Donc ça veut dire qu'il faut que je monte en haut. Je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Mais je peux plus monter en haut. Ah si, je peux. Oh mais ils sont chiants ces trucs là. Oui, allons chercher d'autres sphères. Donc en fait on doit aller chercher d'autres sphères. Ça. D'autres sphères dans le coin, tu crois? Moi aussi. Cherchons encore. Oh! Mais c'est une entrée, ça!
Je connaissais pas du tout cet endroit. Alors, je suis en train de découvrir des trucs. Hein. Parce que, alors là, je connaissais pas moi tout ça. Oh, j'en vois une. Elle pourrait vachement nous aider. Oh, mais j'arrive pas. Où est-ce qu'elle est? Oh hey, mais c'est pas bête ça. C'est incroyable. En avant. On découvre de sacrés trucs ici. C'est là qu'il faut que je dois aller. Hop là.
Les Zephos s'en servaient pour la méditation. Ils formaient des utilisateurs de la Force. Wow. Ça veut dire qu'en fait on a ouvert tous les passages et il en manque qu'un là. Il faut qu'on aille tout là-bas. Ça va être dur. Vous croyez qu'en une seule vidéo, je vais réussir à... Alors que je suis que... Je sais pas où je suis. Je suis que là. Il doit y avoir une autre sphère quelque part. Donc là, on doit en chercher une autre. Elle est juste ici. Ok. Et où est-ce qu'on l'amène, celle-ci ? Attends, il y en a... il en manque une ici. Est-ce qu'il n'en faudrait pas une en haut par hasard? Oh, il nous en faudrait tellement une en haut. Allez, 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 allez. Oui. Oh. Il y en a une autre ici. Thank you.
prêt, BD1? Les infos sont venues sur Kashyyyk. Cordova a parlé d'un certain Tarful. Un chef Wookiee. Ils étaient de vieux amis. Vous pensez qu'il est vivant? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous devons aller sur Kashyyyk. L'obstacle de la voix et la voix. Trophée obtenu. Donc là, on a vraiment bien avancé, là. Je suis contente. Je pensais pas que j'allais réussir ça. En fait, c'était très simple. J'ai galéré dans l'ancienne vidéo, mais... C'est comme pour Mass Effect, maintenant je sais que ce qu'il faut faire. Du coup, pour demain, pour la vidéo Mass Effect, je resterai pas bloqué comme une grosse merde. Donc je sais ce qu'il faut faire. Vous voyez, après on va aller ici. Mais peut-être pas dans cette vidéo-là. Hein. J'arrive déjà à aller ici. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Oh. Il n'y a pas besoin de méditer. Est-ce qu'on vient de rendre service à l'Empire ? Je pense que j'ai besoin de méditer un peu. Hein. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on doit aller? Ok, il y a une entrée pas mal là-bas. J'ai le seum, j'y étais en plus. C'est que je me trompe de bouton à chaque fois en fait. Oh là, c'est pas comme ça qu'on fait là. Je sais pas comment on fait.
Ah si, c'est bon. Ah mais c'est que c'est un... Ah, c'est un truc pour méditer. Putain, je suis trop bête. Oh, on sait pas qu'on est si loin que ça, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Bien joué. Ok, il y a des trucs là-bas. Oh, mais ça va pas bien. Oh, c'est trop dur. Oh là, pourquoi j'ai fait ça? Ok, est-ce que je vais y arriver? Ok. J'ai trouvé la cible. C'est parti. C'est ça. On continue. Je tiens. Je peux le faire. Je crois. T'es sûr, tu peux le faire? Mais c'est pas mal ce truc. Ça va nous emmener où là? On n'est pas très très loin. Enfin... Je dis pas très très loin parce que... Parce qu'à mon avis on va peut-être pouvoir passer par là, par là, par là... Et après par là-bas. Et on va encore peut-être découvrir d'autres trucs hein. Oui, quand même. Allez, on passe par là. Je sais pas si je connais cet endroit, mais... Ça pourrait me faire monter jusqu'à là, mais c'est pas du tout bête. Ça serait beaucoup plus rapide, vous pensez quoi? Eh, j'ai trouvé une solution, mais incroyable. Je suis sous un site de fouille impériale. Ils sont allés bien plus loin que ce qu'on pensait. Il y
y a plus important pour l'instant. Les impériaux savent que tu es le Jedi de Braca. Ça veut dire que j'ai réussi en ce moment même. Oh, dans cette vidéo, j'ai réussi. Démarrer le moteur serait trop risqué. Sa décharge d'énergie attirerait immédiatement leur attention. Je reviens aussi vite que possible. Et en plus, là, je suis pas loin, donc ça veut dire que j'ai réussi à aller jusqu'au vaisseau. Oh, trop bien. C'est incroyable. J'y suis arrivé. Hey, hey. Je suis arrivé au vaisseau. C'est lui? Dis-lui qu'il a intérêt à se manier le... Tenez bon, je suis en chemin. Tenez bon, je suis en chemin. Je fasse quoi avec ça, moi? Ah oui, c'est bon, je peux. T'es vaincu. Est-ce que tout va bien, BD1? Alors tant mieux. Ah yes. Avant la fin de cette vidéo, j'aime bien. Joli boulot, ça, petit gars. Eh, hey, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Ah. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Wow. Cordova a eu un ami Wookie, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookie. C'est de l'acharnement. Alors il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors? À propos de la force? Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force? Quand la purge a commencé, et que nos clones s'en sont pris à nous, ma Padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors j'ai essayé de les éloigner de ma Padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisé.
Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien. C'est compliqué, en effet. Bon, bah, écoutez, avant d'aller dans un autre endroit, moi, je vous dis, on fera ça dans une autre vidéo. Je suis très contente qu'on ait réussi à aller jusqu'au vaisseau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous avec la notification. Et je vous dis, bye bye tout le monde.